Merci Seigneur Jésus. Merci cher Saint-Esprit de Dieu pour ta présence en ces lieux. Merci de nous parler de notre Seigneur. Merci de nous parler de notre Père. Merci Esprit de conviction, Esprit de Dieu, Esprit de feu et de puissance. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour le travail de fond que tu es en train de faire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour des malades que tu guéris. Merci pour le sourd qui entend. Merci pour le paralytique qui marche. Merci même pour les morts qui vont ressusciter. Merci pour ta grâce. Merci pour la guérison. Merci pour l'élévation. Merci pour tout ce que tu es en train de faire déjà dans cette assemblée de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Père éternel pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'élèvons au-dessus de tout. Toi qui es notre Dieu, notre roi, sois béni, sois loué. Tu nous as réunis en ces lieux. Oh, cette soirée, c'est pas pour rien. Tu as quelque chose que tu as préparé pour mon frère et pour ma soeur. Oh, nous voulons t'acclamer très fort parce que tu es notre roi de gloire. C'est lui qui nous a donné le premier. C'est lui qui nous a comblé, Seigneur. De ta grâce, de ton amour, de ton autorité, de ta puissance. Tu es là, tu agis. Tu nous donnes, oh Dieu de gloire, la liberté de marcher, de t'élever, de te louer, parce que la joie de l'Éternel est notre force. Béni sois-tu à jamais. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous ensemble merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce que tu peux le faire bien? Tu peux le faire bien pour la gloire de celui qui règne. Pour celui qui règne. Celui qui règne. Sois dans la joie ces jours. Vous savez, la Bible dit la profondeur appelle une autre. Ça veut dire que si tu commences à manifester la joie, ce qui accompagne la joie va t'accompagner aussi. C'est pourquoi j'aimerais te dire, il y a beaucoup de choses qui vont accompagner ta joie ce soir. C'est pourquoi tu peux acclamer très fort le roi de gloire, parce que ce qui accompagne la joie sera avec toi ce soir. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et nous pouvons dire amen. Amen. Nous pouvons le dire avec foi. Amen. Amen. Le dire encore très fort avec foi, avec conviction. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je m'en vais vous proposer deux textes. Le premier sera dans le livre des psaumes. Psaume 30. Nous lisons au cinquième, du cinquième au sixième verset. Psaume 30. Psaume 5 à 6. Je m'en vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Dans d'autres versions, on dit sa faveur. Sa faveur toute la vie. Sa faveur, toute ta vie. Je disais ceci, la faveur de l'Éternel, toute ta vie. Les soirs arrivent, le pleur. Et le matin,
l'allégresse. D'autres versions disent, et le matin, la joie. Et le matin, la joie. Alléluia. Le matin arrive dans ta vie. Et la joie aussi arrive dans ta vie. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, le matin arrive. Dis-lui encore, le matin arrive. Maintenant, dis-lui, la joie arrive. Mais il faut, quand tu lui dis la joie arrive, il faut montrer que tu as aussi la joie. La qui sait, c'est un goût, on s'est le banaï. Sa joie peut passer par toi. Et c'est un goût qui est pas là. Et je déclare, quand tu communiques la joie ce soir, la joie te reviendra parce que c'est la loi des semences. Et au coma, le goût, c'est le Alors tu peux dire à celui qui est à côté de toi, le matin arrive et la joie arrive. Qui te soit fait au nom de Jésus. Amen. Le deuxième passage, c'est dans Daniel, la boucle à Daniel, chapitre 3. Nous allons lire du 15e au 25e verset. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de trompettes, de chalumeaux, de guitares, de sambuques, de psaltérions, des cornemuches et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous donnera et qui vous délivrera de ma main? On va voir ce qu'il va dire après. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Notre Dieu est capable. Je disais, notre Dieu est capable. Bien-aimé, nous servons un Dieu qui est capable. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego et il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois. Grave erreur. En afouagne à erreur, Moubaya. 7 fois. Parce que quand tu mets déjà les chiffres de Dieu dans tes affaires, sachant, ça devient des choses de Dieu. Alléluia. Puis il commanda à quelques-uns de plus courageux des soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Dis à celui qui est à côté de toi, tire attention de la façon que tu me traites. Tire attention de la façon que tu me traites. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de fournaises ardentes. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. La première des choses, il est effrayé. Et s'éleva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Et reprit la parole, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Qui marchent au milieu du feu. Oh, j'ai dit que tu vas marcher au milieu du feu ce soir. Et pire encore, il dit,
et qui n'ont point mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Comment tu as su ça, Nebuchadnezzar? Tu es devenu un prophète. Parole de l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimé de Dieu. Le titre de notre exhortation de ce soir, ton matin arrive. Tongo nayo ezali koya. Et ta joie arrive. Et sengo nayo ezali pe koya. Laissez-moi remercier l'aumônier pour la conscience, la confiance et le coaching. Atondi tata aumônier. Que le Seigneur continue à le bénir. Kolo, à le combler davantage pour le grand travail qu'il est en train de faire. De nous encadrer et nous coacher. Ton matin arrive. Tongo na yo ezali koya. Ton matin arrive. Tongo na yo ezali koya. Bien-aimé de Dieu, ce psaume. Balinga mikat na nkolo. D'autres commentateurs l'intitulent psaume de délivrance. Bakomi musu balobe ezali banzembo ya bokango la. J'ai trouvé même une version, le titre de psaume on a dit guérison d'une maladie. Alors on ne sait pas dans quelles circonstances David a écrit ce psaume. Mais ce que nous savons, par exemple, au verset 3, tu m'as guéri. Si vous pouvez le lire entièrement, vous allez comprendre le contexte dans lequel il est en train de vivre ce psaume. D'autres commentateurs parlent que ce serait en quelque sorte une punition de Dieu. Mais ce que nous savons, selon le contexte de ce que nous avons lu, il commence par dire, chantez à l'Éternel vous qui l'aimez. Bien-aimés, nous allons utiliser le passage de ce psaume, parce que notre Père de la maison, par l'inspiration de l'Éternel, le Seigneur a inspiré ce passage comme le thème de cette semaine de prière. Et comme nous allons essayer d'introduire ça aujourd'hui, nous allons donner un peu le contexte par rapport à ces deux versets. Et nous allons prendre un cas d'étude, c'est-à-dire un exemple qui s'est passé dans Daniel. Si ce psaume est un psaume de délivrance, et la Bible nous dit, dans ce qui est des thèmes de cette semaine de prière, le soir arrive le pleur. Et le matin, la joie ou l'allégresse. Je ne veux pas insister beaucoup sur le pleur et tout ça. Parce que la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la Bible nous parle ici que la joie vient avec le matin. Mais avant que la joie n'arrive, avant que le matin n'arrive, il y a eu d'abord le soir. Et le soir, il y a la nuit. C'est le temps sombre. C'est le temps de difficulté. Je ne sais pas ce que cela peut dire dans ta vie. Ça peut être un problème quelconque, une situation quelconque que tu as traversé, ou que tu es en train de traverser. Et ça, spirituellement, ça se nomme comme le soir. Parce que cette situation est accompagnée par des pleurs. Mais des pleurs ne vont pas continuer pour toujours. Parce que la Bible aussi nous dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. C'est-à-dire Dieu ayant créé l'humanité, Dieu a fait des saisons.
Et la première unité fonctionnelle de la saison, c'est le jour et la nuit. Dieu a séparé le jour et la nuit. Et donc, même sur le plan spirituel, il y a des moments où il y a la nuit. Je vais vous dire, bien-aimé de Dieu, que les le temps de la nuit arrivera toujours dans ta vie. Comme les jours et la nuit continueront toujours à être là, il y aura toujours des temps où tu vas passer par des moments difficiles. Ce n'est pas une prophétie que j'ai faite. Ça, c'est la loi que l'Éternel a établie. Parce que quand Noé est sorti de l'arche, après avoir sacrifié, Dieu s'est repenti en disant: je ne veux plus tuer des gens avec de l'eau. Mais il a planté une loi, un principe. Tant que le ciel et la terre existent, le principe des semences et des moissons ne cessera pas. Et au même moment, nous comprenons que les jours et la nuit existeront toujours. C'est pour te dire qu'il y aura toujours des moments où tu traverses des nuits. Il y aura aussi des moments où tu traverses des jours. Mais ce qui est important, c'est que la nuit a une durée donnée. Je disais à quelqu'un que la nuit a une durée. Je disais à un frère et une sœur que la nuit a une durée. Et après la nuit, viendra le jour. Et ton jour commence par un matin. Alléluia. Ton matin arrive. Ton matin arrive. Ta nuit ou ton soir, ça peut être que tu es en train de pleurer pour une situation quelconque. Ça peut être pour tes études. Ça peut être pour la facture que tu dois payer. Pour les frais que tu dois payer. Pour les enfants que tu es en train de subir des situations difficiles. Ça peut être même pour une maladie. Ça peut être même pour un manque de travail. Ça peut être une possession. Ça peut être quelque chose qui est en train d'être tourmenté. Les soirées là, tu pleures. Par moment, tu pleures, les larmes ne coulent pas parce que les larmes coulent de l'intérieur. N'importe quelle situation que tu traverses, je t'annonce que le matin arrive dans ta vie au nom de Jésus. Mais la Bible nous dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Ce qui est très important ici, c'est-à-dire que si tu n'aimes pas Dieu, tu n'as pas le droit de chanter ces cantiques. La Bible nous dit que ceux qui aiment Dieu sont ceux-là qui gardent ses commandements. En d'autres termes, si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, quand bien même le matin va arriver, ça sera toujours comme la nuit. Un jour, je suis passé dans un pays pendant un temps d'hiver. Il était 7h, 8h, même jusqu'à 9h, mais il faisait nuit. Il fallait qu'on vienne me réveiller pour me rendre compte qu'il était déjà matin. En d'autres termes, si tu n'observes pas les commandements de Dieu, même quand ton matin arrive, ça sera comme la nuit. Pour que ton matin arrive vraiment avec la lumière, tu dois observer les commandements de Dieu. Tu dois chercher la sanctification. Alléluia. Le matin arrive. Le matin arrive. Tongo ezali koya. Et la Bible continue de dire: célébrez par
vos louanges, sa sainteté. Yembela banzembo bonzambe na eto boyenge benenae. Sa sainteté. Boyenge benenae. Célébrez-le par sa sainteté. Boyembela epo na boyenge benenae. David, après avoir vécu cette situation, il nous encourage de célébrer l'Éternel par sa sainteté. Vous savez, la sainteté, c'est ce qui est mis à part. C'est ce qui est différent. Ce qui est différent. Alors, quand il dit célébrez-le par vos louanges, sa sainteté, Dieu est saint. La Bible dit qu'il est trois fois saint. Je peux dire qu'il est millions, milliards de fois saint. Pourquoi? Parce que ceux qui habitent à côté de l'Éternel, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards, c'est eux qui observent cela. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, nous dit que chaque jour, chaque instant, ils ne chantent qu'une seule chanson. Ils disent saint, 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 saint. Peut-être que si toi tu serais passé là, tu vois un quatre parmi les quatre êtres vivant, et si tu voyais un parmi les 24 vieillards, tu peux peut-être dire, mais ces gens, mais pourquoi ils répètent toujours la même chanson? J'aimerais vous expliquer cela. Dieu est tellement saint, il est séparé des autres, il est différent des autres, à telle enseigne que chaque jour, chaque instant, quand un quatre être ou des 24 vieillards le regardent, ils le voient d'idées différentes. Tu n'as pas compris cela. C'est-à-dire chaque instant, quand ils lèvent leur figure pour regarder, ils trouvent qu'il est différent. Ils trouvent qu'il présente un aspect neuf, nouveau. Que eux-mêmes, depuis des milliards d'années, n'ont pas connu cet aspect. Donc, il est le même, mais quand vous le regardez, vous vous rendez compte qu'il est différent de nous. Il n'est pas comme nous. Il est Dieu, il est saint. C'est pourquoi ils peuvent chanter des milliards et des milliards d'années, dire toujours saint. 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 Chaque fois quand il lève la figure, il le regarde, il trouve qu'il est différent, qu'il est séparé, il n'est pas comme ils l'ont vu hier. C'est ça que Dieu veut que tu puisses voir. Dieu. En d'autres termes, quand il se présente à Moïse, Moïse lui pose la question: quel est ton nom? En hébreu, quand on te demande quel est ton nom, il faut bien tirer attention. Quand on te demande quel est ton nom, cela veut dire tu es comment? Tu te définis comment? Quelle est ta nature? C'est ça. Quelle est ta nature? Dieu va dire à Moïse que je suis. Nazali. Et quand vous lisez ça, Yahvé, il laisse trois points de suspension. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Moïse que ma nature, je suis Nazali, c'est ou celui dont tu as besoin quand tu es dans les besoins. Parce que peut-être que vous n'avez pas bien compris. Dieu lui dit, à chaque instant quand tu as besoin, quand tu es dans les besoins, je suis la solution pour dans ces cas-là. C'est pourquoi il lui dit, Yahvé, en certain moment,
Il laisse des points d'interrogation. Toi, tu peux remplir. Quand tu es dans la maladie, tu peux remplacer par Jehovah Rapha. Quand tu es dans les besoins, tu peux dire, je suis, il est Jehovah Nissi. Il est Jehovah Sabaoth. Cela veut dire que chaque fois que tu es dans un besoin quelconque, il va se présenter devant toi comme une solution qui concorde exactement à ton problème pour résoudre ton problème. Et quand David demande que vous puissiez le célébrer dans sa sainteté, c'est que chaque fois vous puissiez lui chanter des louanges par rapport à l'expérience que vous avez de Dieu dans votre vie. Donc, la louange ici, c'est une louange qui est concordante à ce que Dieu est dans ta vie. Oh, je déclare que Dieu soit la guérison pour ta vie. Je déclare qu'il soit le pourvoyeur de ta vie. Je déclare que si tu n'as pas d'emploi, qu'il donne l'emploi pour toi au nom de Jésus. Parce qu'il est je suis. La Bible nous dit, sa colère ne dure que pour un instant. Et j'aimerais lier ça aussi. Il dit, des pleurs ne durent que la nuit. Donc il y a des choses qui sont instantanées, qui sont seulement pour un instant. Sa colère ne dure que pendant un instant. Il y a des gens ici qui ont fait des choses, mais qui n'ont pas l'assurance du pardon de Dieu. Même s'ils ont déjà confessé, mais ils restent en train de se culpabiliser. Dieu a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu as confessé ton péché, crois au pardon de Dieu. Et quand Dieu pardonne, il oublie même qu'il t'a pardonné. C'est-à-dire quand tu veux lui rappeler c'est quelque chose, il se pose la question si tu parles de quoi. Parce que lui, il a déjà oublié qu'il t'avait même pardonné. Cela veut dire que c'est comme si tu n'avais jamais connu ce péché-là. Donc j'informe à une sœur cet après, cette soirée, n'importe quel péché que tu as fait, mais si tu as confessé sérieusement, crois à l'assurance, reçois l'assurance du pardon. Dieu t'a pardonné. Il ne peut pas continuer à te punir. Il ne peut pas continuer à te punir. Frère, crois au pardon de Dieu. Il y a des gens même qui, quand ils sont déjà venus au Seigneur, ils sont tourmentés par des choses qu'ils ont faites avant. Et le diable continue à leur rappeler ces choses. Ça ne vient pas de Dieu. La Bible nous dit qu'il a pardonné toutes nos iniquités. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Et donc, si tu crois à cet enseignement cette soirée, crois que Dieu t'a pardonné si tu as déjà pardonné. Mais si tu n'as pas encore confessé sérieusement, confesse et crois que Dieu pardonne. Les pleurs, j'aime bien la version anglaise. Hein? The Bible says, la Bible est écoloba. Weeping may endure the night. Cela veut dire, des pleurs durent, si je vais traduire littéralement, des pleurs Milelo ne durent que pendant la nuit. Et cela veut dire, même si tu pleures, rassure-toi,
que tes pleurs ont une durée. Oh, je disais à quelqu'un que tes pleurs ont une durée. Je disais à quelqu'un que même si tu pleures, ça a une durée. Et ça, un instant seulement. Ça dure seulement pendant ce temps-là. Mais celui qui a tracé des saisons, quand la saison de la nuit s'arrête, le matin arrive dans ta vie. Le matin arrive dans ta vie. Je déclare que le matin de ton travail arrive. Le matin de ta santé arrive. Le matin au milieu de tes enfants arrive. Le matin dans ton emploi arrive. Le matin dans tes fiançailles arrive. Nous n'avons pas besoin de fiançailles qui durent 10 ans. Célibataire, je vous annonce que le matin arrive. Il est possible que tu fasses le fiançailles pendant un mois et deux mois. Et tu te maries. Je déclare ces choses au nom de... Si tu es d'accord, acclame très fort pour le roi de gloire. Le matin arrive. Tu as prié pour cette situation. C'est peut-être pour les enfants. C'est peut-être pour ton mari. C'est peut-être pour ta femme. Tu es en train de vivre le calvaire. C'est peut-être au travail, on est en train de te créer des temps difficiles. Ton superviseur est en train de te malmener. C'est peut-être même en famille, tu es maltraité. Je t'informe que Dieu a placé des limites pour la nuit. Il y a le matin qui arrive. Le jour va se lever. Le soleil va se lever dans ta vie. Et donc le matin arrive dans ta vie. Au nom de Jésus. Le matin arrive. Et la Bible dit, sa faveur ou sa grâce vit pour toute la vie. J'aime bien la faveur. Ça veut dire que quand tu es enfant de prof, mauvais prof, il peut favoriser ses enfants. Tu as fait la session. Si tout le monde a échoué, il peut manigancer. Peut-être que ça n'arrive pas ici. Ça arrive au loin là-bas. Il peut te favoriser. Tu as la faveur de ton père. S'il y a même des marchés importants que des gens doivent gagner, d'autres personnes gagnent les marchés par faveur. Parce qu'ils sont favorisés. Cela veut dire, si les lois étaient suivies normalement, tu n'allais pas gagner ces marchés. Si on suivait tout par la loi, tu n'allais pas gagner cela. Mais parce que c'est à cause de la faveur, tu as gagné cela. J'aimerais te dire, ton Père Céleste va te faire la faveur. Et cette faveur, ce n'est pas une faveur seulement d'une semaine. Ce n'est pas une faveur d'une année. Ce n'est pas une faveur de quelques jours. C'est la faveur pour toute ta vie. La faveur que je parle ici, qui vient de l'Éternel, c'est la faveur de toute la vie. Je déclare la faveur dans ta vie au nom de Jésus. Tu seras favorisé au travail. Tu seras favorisé dans ta santé. Tu seras favorisé parmi tes enfants. Là où les autres échouent, tes enfants ne vont pas échouer au nom de Jésus. Parce que tu as la faveur de Dieu. Là où les autres ne pouvaient pas se marier, toi tu vas te marier. Là où les autres ne pouvaient pas réussir, toi tu vas réussir. Là où les autres ne pouvaient pas gagner, toi tu vas gagner. Là où les autres ne pouvaient pas percer, toi tu vas percer au nom de... La faveur aussi arrive.
La promotion arrive. La santé arrive. La guérison arrive. La promotion arrive. La santé arrive. Toutes ces choses, même si d'autres meurent de maladies compliquées, mais toi tu ne vas pas mourir, tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Parce que tu es sous la faveur de Dieu. Le matin arrive. Tongo ezali koya. Le matin arrive. Tongo ezali koya. Le matin arrive. Tongo ezali koya. Quand vous lisez Malachie 4, verset 2, la Bible dit ceci. Bible ezali koloba boye. Pour vous qui craignez mon nom. Pona bino bozali kobanga kombo na ngai. Pour vous qui craignez mon nom. Pona bino bozali kobanga kombo na ngai. Ce n'est pas mon nom, c'est le nom de l'Éternel. Kombo na ngai te kombo ya nkolo. Pour vous qui craignez mon nom. Bino bozali kobanga kombo na ngai. La Bible dit. Bible ezali koloba. Se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Pelo biko kozala mapapu la bino. Vous sauterez. Boko vous sauterez. Boko pumbwa. Vous sauterez comme des veaux sur la table. Est-ce que tu peux te lever debout, acclamer très fort? Si tu veux sauter, saute. Si tu veux sauter, saute. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Saute comme des béliers. La joie arrive. La joie arrive. Acclame très fort pour le roi de gloire. Hein? Parce que la joie arrive. Le soleil de justice arrive. Et dans ce rayon, il y a la guérison. La guérison de ta maladie physique. La guérison de ta maladie financière. La guérison de ta maladie professionnelle. La guérison de ta maladie à tous les niveaux. Même la guérison des membres de ta famille se trouve dans le rayon du soleil de justice. Et Dieu lui-même s'appelle le soleil de justice. Mais comme nous avons dit, à une condition que vous soyez en train de craindre le nom de l'Éternel. Alléluia. Vous pouvez reprendre vos places dans la maison de l'Éternel. Alléluia. La guérison arrive. Vous savez, ces quatre jeunes hommes. Maintenant, nous sommes dans Daniel. Pour terminer. Ils étaient déportés de Jérusalem à Babylone. Bango bakumba makuta Jérusalem kino na Babylone. Et on leur a donné toutes les faveurs possibles. Ba pesa ki bango nyoso oyo bazangi na posa. Les traitements appropriés. Nyoso bazangi na posa. Et vous savez que vers la fin du chapitre 2, wana na suka mokapo mibale. Après que l'un d'eux, Daniel, ait interprété les songes. Il a été promu. Il était devenu en quelque sorte premier ministre ou gouverneur des provinces de Babylone. Et la Bible nous dit, il a demandé au roi que le roi aussi puisse promouvoir ses collègues qui étaient Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ce n'est pas leur nom. Ils avaient leur nom. Chacun avait un nom. Daniel s'appelait Daniel. Daniel, mais on lui a donné un autre nom, Belshazzar. Mais qui n'apparaît pas souvent dans la Bible. Anania. C'était ça son nom, son premier nom. Mais quand il est arrivé à Babylone, comme moyen de laver le cerveau, on a changé son nom. En réalité, le nom d'Anania voulait dire Dieu fait grâce, ou la grâce de Dieu. Mais ils ont changé son nom pour lui donner le nom de Shadrach. Qui veut dire commandant de la déesse, la lune. Mokonzi ya nzambe ya mwasi oyo ya sanza. On a
donner un nom bizarre pour honorer des dieux païens. Les deuxièmes sont étaient Michael. Michael. Michael qui signifie Michael, c'est lui qui est comme Dieu. Mais ils ont changé le nom de Michael. Ils ont donné le nom de Shak. Ce qui veut dire lobby, c'est lui qui est comme les dieux de la lune. Et puis le dernier, son nom s'appelait Azaria, Azaria qui veut dire wane lobaki, Dieu a aidé. Nzamba sungi. Ou encore l'aide de Dieu. Lisungi ya nzamba. On a changé le nom. Wana babongo likombo. Abednego. Abnego. Qui veut dire wane lobi, serviteur de Dieu Nebo. Mosali ya nzambe wana. Donc on a changé leur nom. Babongo li bakombo na bango. Pour que on les aligne au Dieu païen. Po batia bango e pa ba nzambe. J'aimerais te dire cette soirée. Dalingira biso na poko alelo. Si le monde veut changer ton nom. Soki mokile linge pongo na poko na yo. Wana poya. Parce que tu as déjà le nom qui est le chrétien, le nom de Jésus. Bamba te ozali na nkombo ya kombo na Yesu. Satan vient nous mettre des étiquettes pour changer ce que nous sommes réellement. Il peut venir même pas des suggestions. Il peut dire non, il y a des gens qui sont dans le miroir. Et puis ça commence en utilisant le moi. Il y a des gens qui sont dans le miroir. C'est pas toi qui parles, c'est l'ennemi qui parle. Ça, c'est une suggestion venant de l'enfer. Je t'informe, tu es une belle créature de l'éternel. Tu as été créé à l'image de Dieu. Même si le monde t'a convaincu que tu n'es pas belle, commence dès aujourd'hui à te regarder dans le miroir. Tu te dis, je suis belle au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que les faibles disent yo, ça la kamaye le teint. Toi, tu n'es pas intelligent. Est-ce que vraiment yo kobala vraiment? Ça, c'est la question que beaucoup de jeunes se posent. Et surtout s'il a tenté une fois, la sœur lui a dit ce qui a mekagi elenge moi ça talien na misumabe. Yo pe mobali. Qui ont déjà reçu cette réponse là? Je ne vous demande pas de vous manifester. Là, ni déjà zoa. Et il y a un pourcentage ici. Je t'informe. Hein? Ce n'est pas parce qu'on t'a refusé que tu n'es pas digne. Si on avait tenu compte des débuts de Jean, même notre Seigneur qui était né dans les tables des bêtes, ne pouvait pas être considéré. Même si tu penses que tu sembles être un vide, mais je t'informe que le Saint-Esprit est en train de mouvoir autour de toi. Du chaos, tu seras intelligent. Du chaos, tu seras présentable. Parce que ta force n'est pas dans toi-même, mais la force est en Dieu. Les rois Daniel lui a expliqué les songes qu'il a eu au chapitre 2. Daniel a talisé d'autres. Et la Bible, les commentateurs disent entre le chapitre 2 et le chapitre 3, il s'est passé à peu près 15 à 20 ans. Mais voilà, il vient faire quelque chose qui défie Dieu. Il construit cette statue. Il oblige tout le monde à venir adorer la statue. Alors que ce que Dieu lui avait montré, l'or était seulement à la tête. Et si vous voyez bien cette statue, il y a des chiffres bizarres. 60 coudées et 6 coudées de largeur. Ce qui rapproche de la statue d'Apocalypse qui dit de 666. C'est la prévision de ce qui va arriver. Au temps où l'Antéchrist va demander tout le monde d'adorer la statue. Mais chaque Abednego Kasibango et leurs frères, non, ils ont dit, nous n'allons pas adorer. Le roi leur fait la faveur.
Vraiment, j'ai tellement investi en vous. Ces jeunes gens sont intelligents. Tout ça, tout ça. Alors, appelez-les-moi ici quand on les a accusés. Ils disent, je vais vous faire une faveur. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit là-bas? Maintenant, je vous fais une faveur. Tu n'as pas besoin de la faveur de Satan. Tu n'as besoin que de la faveur de Dieu. La faveur de Satan est minimale. Et quand il te fait la faveur, la facture va venir et sera très chère. Ils leur ont dit, oh roi, nous n'avons même pas à te répondre. Nous n'allons pas adorer. Et il dit alors, il s'est fâché. Il demande qu'on multiplie le feu à 7 fois. Qu'on attise 7 fois. Or, vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection qui est réservé à Dieu. Et je disais, quand nous lisions, que comme il a fait cette erreur, alors le feu là ne va pas l'obéir. On prend les jeunes gens, on les lit, c'est lui qui les amène, ceux-là qui les amènent, juste à la porte, il les jette. Mais eux-mêmes meurent. Parce que la flamme était tellement forte, la chaleur était forte, et tous sont morts sur le champ. J'aimerais te dire ceci. Ce qui est supposé te tuer, c'est ce qui va t'élever. Dans cette saison, je déclare ceci avec foi, que ce qui était supposé te tuer, ce qui était supposé te faire du mal, ça va t'élever. Dieu va utiliser ça pour ton élévation. Ce qui était comme problème dans ta vie deviendra l'escalier pour que tu montes davantage. Regarde un peu la situation qui te tourmente maintenant. Je déclare que cette situation-là va t'élever. Dieu va élever cette situation pour t'élever davantage. Si tu acceptes, acclame très fort le roi des rois. Mais aussi, Kasi, ceux-là qui venaient pour te tuer, c'est ceux-là qui vont mourir en premier. C'est pourquoi j'ai dit, regarde ce lieu qu'à côté de toi. J'ai dit, vous êtes tous des saints, il y a des saints ici. Mais quand tu vois quelqu'un qui te fait du mal, si tu es vraiment en communion avec l'extérieur, si tu te fais du mal pour t'accuser parce qu'il y a la haine, dis-lui ceci, ne me traite pas comme tu me traites. Parce que tu ne sais pas ce que si tu fais là, ce que ça peut te faire. Je disais que le feu peut tuer tes adversaires au nom de Jésus. Toi, tu n'as rien fait. C'est Dieu qui s'occupe d'eux. Alléluia. Alléluia. La fournaise était multipliée par 7. Cette fournaise, normalement, c'est l'endroit où on fait pour purifier les métaux. Comme 1 Pierre, la Bible nous dit, de la même manière, votre foi doit passer par le feu comme l'or pour tirer ce qui est meilleur, qui sera révélé le jour du Seigneur. Alléluia! Alléluia! Ceux qui t'accusent, ils vont continuer à t'accuser. Il ne faut pas traîner sur les accusations. Que ce soit au travail ou en famille, il y a des gens, même si tu as fait 100% du bien,
Ils vont toujours parler du mal de toi. Même à l'église. Il y a des gens comme ça. Même si tu fais 100% du bien, ils vont toujours parler du mal. Il y a même un chercheur qui a fait des recherches pour dire que tu peux faire du bien à tout le monde, mais tu trouveras toujours au moins 20% qui seront contre toi. Donc, ne t'attarde pas à ce, pour cela, avance avec le Seigneur. Pour autant que tu es avec le Seigneur, parce que ces gens ici accusaient ces jeunes gens non seulement pour le présent, mais pour leur futur. J'aimerais te dire ceci. Ceux-là qui ont la haine contre toi, ceux-là qui t'accusent, tire bien attention. Ils ne le font pas pour aujourd'hui, mais ils le font pour ton futur. Parce qu'ils ont vu les choses qui sont en train de venir dans ta vie. Je t'informe que ton lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ces jeunes gens ont dit, ne nous donnez pas la viande. Nous n'allons pas prendre la viande. Donne-nous seulement les légumes. Ils ont pris les légumes. 7 jours, la Bible dit, ils étaient en bonne santé, plus que ceux-là qui mangeaient la viande. Ils ont produit des résultats, plus que ceux-là qui mangeaient bien. J'aimerais te dire ceci. Au travail, au cours, ton chef ou ton professeur n'a besoin que des résultats. Il n'a pas besoin de te parler. Il n'a pas besoin de ton discours. Que tu aies même un chef, un superviseur païen. Ce qui est important, c'est des résultats que tu donnes. Si tu es enfant de Dieu et tu donnes de bons résultats, j'ai un ami qui donnait de bons résultats, alors les superviseurs voulaient même les chasser parce que lui n'était pas chrétien, il était musulman. Mais il lui a dit, je ne peux pas te chasser parce que tu produis de bons résultats. Je déclare que Dieu t'accompagne dans les bons résultats au nom de Jésus. Je me souviens vouloir prendre un poste important. Et la décision devait se prendre quelque part. Quelqu'un a soulevé quelque chose. Et ça, on m'a dit ça après. On me dit que ce monsieur-là, non, c'est un prédicateur. Il prêche. Si vous voulez, vous regardez même sur YouTube, vous allez voir, il prêche. Et ça crée, on m'a dit que ça a pris une semaine pour qu'on parvienne à décider. Parce que la majorité n'était pas d'accord que je sois en train de prêcher. Et finalement, ils ont dit, nous n'avons pas de choix, nous devons prendre ce monsieur. Nous devons le prendre parce qu'il produira de bons résultats. Nous devons le prendre. Mais s'il m'avait dit que parce que tu prêches, arrête de prêcher pour qu'on te prenne, j'allais leur dire, je n'ai pas besoin de vous répondre à ce sujet parce que je sais celui que je sais. Ton superviseur n'attend que des résultats. J'ai pris que tu performes bien, que tu sois performant dans les études, que tu produises de bons résultats au cours, là où tu travailles, que tu sois le meilleur, que tu sois excellent, c'est alors que tu peux faire la différence. Nous n'avons pas besoin de chrétiens médiocres, nous n'avons pas besoin de chrétiens voleurs qui arrondissent des angles de factures, des chrétiens adultères. Nous n'avons pas besoin de ça. La Bible dit, pour ceux-là qui craignent mon nom, le soleil de justice s'élèvera sur vous. Je déclare que le soleil de justice s'élève sur toi au nom de Jésus. Alors, le conseil que je te donne, ne demande pas la bénédiction de Dieu, ne demande pas l'élévation si tu n'es pas prêt à supporter la haine et les accusations. En d'autres termes, la bénédiction s'accompagne aussi avec la haine des autres.
La bénédiction de Dieu ne vient pas. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit, ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais elle s'accompagne des accusations. Elle s'accompagne aussi des haines des autres. Il y a des gens, même si tu as fait du bien, comment ils vont te haïr toujours. Ces gens ici sont venus les accuser parce qu'ils savent qu'ils vont nous dépasser. Leur futur les trahissent. Donc, ne t'attends pas à une bénédiction qui n'a pas d'accusation. Ne t'attends pas à une bénédiction qui n'a pas de haine des autres. Alléluia. Parce que Marc 10, verset 29 et 30, la Bible dit ceci: il n'y a personne qui ait quitté son père, sa mère, ses parcelles, ses maisons, toutes ces choses à cause de l'évangile ou à cause de moi, et qui puisse gagner ces choses, des maisons, bandaku, des frères, bandeko, des sœurs, bandeko basi, je peux ajouter des habits, bilamba, des iPhones, voilà, toutes ces choses, nyosuana. Mais la Bible dit, Bible avec les persécutions, nakotukama. Dieu ne va pas empêcher ces gens-là à venir t'accuser. Nzamba kopekisa bato ate ba kofunda yo. Si il y a la chose que Dieu ne... Je vous prépare pour que vous puissiez devenir des grands business, s'il y en a pas, s'il y en a parmi eux qui sont destinés à devenir des grands businessmen. C'est-à-dire, si tu es préparé à devenir grand, prépare-toi à des accusations. Prépare déjà un avocat à côté de toi pour qu'il va te défendre. Ces choses vont venir. On va t'accuser pour tes parcelles. On va t'accuser pour tes business. C'est ça aussi la bénédiction de Dieu. Il dit, il y a aussi des persécutions. Si je ne vous dis pas, personne ne vous dira pas ça. Donc si tu veux la bénédiction de Dieu, prépare-toi aussi à ces choses. Accepte ces choses. Je ne vais pas parler beaucoup de feu parce que le temps est arrivé. Le feu, vous savez, j'ai déjà dit qu'il y a des choses que Dieu ne permet que ça puisse tomber que dans le feu. Dieu pouvait délivrer ces jeunes gens avant qu'ils n'entrent dans le feu. Mais Dieu a permis qu'ils entrent là-bas parce qu'il y a des choses dans notre vie qui ne tombent que quand tu entres dans le feu. C'est pourquoi quand ils sont entrés, les liens sont tombés. Rien de ce qui leur appartenait n'était tombé. Leurs habits sont restés intacts, mais seuls les liens sont tombés. Oh, je prie que quand tu entres dans le feu, dans ta saison de feu, tous les liens de la peur puissent tomber au nom de Jésus. Que tu n'aies plus jamais de la peur. Je me souviens certaines choses pour lesquelles j'avais peur. Quand j'ai traversé la situation difficile, finalement, au bout de compte, je me suis dit, je m'en fous. Et toute la peur est partie. Ma femme, mon épouse, ma tendre chérie, m'a raconté une histoire d'une dame. Il y a moi, Simoko. Elle n'avait pas d'enfant. Son mari qu'elle avait, c'est une jeune dame. Donc, je ne sais pas, 3 ans, combien, ils n'ont pas eu d'enfant. Ils vivaient seulement à deux chez eux. Elle travaillait. Elle avait la possibilité d'avoir l'argent. Son mari aussi avait la possibilité d'avoir l'argent. Maladie, son mari est décédé. C'était une dame qui ne pouvait pas supporter dormir seule dans la maison. Et quand on est parti enterrer, les premiers jours, elle a dormi avec d'autres personnes. Les autres jours,
Chacun devrait partir. Elle devait maintenant dormir seule. Là, tous ces jours-là, elle ne dormait pas. S'il y a même une souris qui traverse là-bas, elle se disait, bon voilà, venant maintenant, ce sont des morts qui viennent me visiter. Elle vivait sous une peur terrible. Ma chérie m'a dit, un jour, elle a dit, na kobanga ti wapi, ti quand. Et puis elle s'est dit, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, je vais dormir sans. Je m'en fous. Soka ya, soka koya, ayana ye kaka. Soka koya, ayana ye. Je m'en fous. Et ta linga ite. Ces jours-là, elle a traversé cette situation de peur. Ya longa elle s'est dit, je m'en fous. Alobe et ta linga ite. Et la peur est partie. Dès ce jour-là, elle a dormi jusqu'au matin. Je te demande, dans une situation de peur, entre dans la situation et crie, je m'en fous. Et la peur va partir. Ça, c'est un exemple des liens qui sont tombés. Parce que tu es parti dans cette situation, dans le feu. Alléluia. Alléluia. Je saute une seule chose, si le Seigneur me permet. Je saute une seule chose, c'est-à-dire avoir confiance. Avoir confiance. Ces jeunes gens, pour vivre le matin glorieux, extraordinaire, c'est-à-dire pas un matin qui n'a pas de soleil. Vous savez, quand il y a des matins qui sortent comme ça, il y a des nuages, tu ne vois pas le soleil. Mais il y a des matins qui sortent comme ça, tu as même la joie. Pour avoir de tels matins, il faut avoir totale confiance en Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego ont eu confiance totale en Dieu. C'est pourquoi, même dans Daniel, la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, Daniel 11, 20, 32, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu n'as pas hésité. Tu n'es pas encore marié. C'est lui qui te propose des choses au-delà du mariage. Tu lui dis, je n'ai même pas à te répondre sur ce point. Tu dois avoir le travail. On te pose des choses, des armes non conventionnelles. Tu dois répondre, je n'aime même pas répondre là-dessus. Ils ont une foi ferme en Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont même pas la foi. Quand il se trouve parmi les païens, on ne sait pas faire la différence entre lui et les païens. Quand il est à l'église, on peut dire qu'il est le vice-dieu. Ils avaient confiance totale. Cette confiance, ils ont dit que même si Dieu ne nous délivre pas, mais nous n'allons pas adorer. Je vous dis qu'il y a des apôtres qui ont été jetés dans le feu, qui sont morts. Et en hébreu, la Bible dit, ils sont morts sans voir l'objet de leur foi. Dieu peut permettre cela. Malgré qu'il ne peut même pas te sauver, même s'il ne te donne pas ce que tu as demandé, mais reste accroché au Seigneur. Reste accroché au Seigneur. Dans une ville, il y avait un monsieur, ça fait longtemps. Un acrobate. Il pouvait prendre, quitter un point sur le poteau ou une montagne, aller là-bas sur le fil. Vous savez ces gens-là. Je ne sais pas comment on les appelle. Comment on les appelle? Oui. Bon, ça c'est son nom. C'est ce monsieur-là. Motoana. Alors, il roule, il marche sur le fil, il va jusque-là. Il y avait des gens, c'était aux États-Unis, déjà même du Canada à ce moment-là, qui venaient jusque là-bas pour voir ce qu'ils faisaient. C'était extraordinaire. C'était le moment où les gens n'étaient pas encore habitués avec la télé et tout ça. Ils traversent avec, sur le fil, marche jusque là-bas. Il vient, il demande au public, est-ce vous croyez que
Je peux marcher sur ce, même avec un vélo. Tu vas le faire. Il va là-bas, il prend le vélo. Juste, il arrive jusque là-bas. Ah, les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Et puis après, il dit, est-ce que vous croyez que je peux même prendre une brouette, aller jusqu'au bout là-bas. Tout le monde a crié. Oui, toi tu es vraiment professionnel. Nous savons ce que tu es capable de faire. Tu peux le faire. Vous croyez vraiment? Ils ont crié, oui, nous croyons. Est-ce que vous croyez aussi que je peux prendre même une personne, la mettre dans une brouette, circuler avec cette personne jusque là-bas? Tout le monde a crié, oui, nous croyons. Oui, ton dimi. Que tu peux le faire. Il y avait même une maman là devant qui criait, oui, tu peux le faire. Alors elle a dit à la maman, maman vient entrer dans la brouette. Maman yaka na brouette. Maman dit non, pas moi. Voilà la foi des chrétiens d'aujourd'hui. Tu crois que Dieu peut faire, mais quand tu es devant la situation, tu commences à hésiter que Dieu ne peut pas faire. Je t'informe que Dieu est capable. Le Dieu que nous servons est capable. Le Dieu que nous servons est capable. La dernière chose, pour terminer, c'est ceci. Yoka. Ils l'ont déjà jeté dans le feu. Mais au lieu qu'ils soient trois dans le feu, on trouve une quatrième personne. Mais qui est cette quatrième personne? Beaucoup d'autres personnes argumentent et disent que c'est Jésus. Je ne sais pas le dire. Le roi a dit que c'est un ange de Dieu. Je ne sais pas le confirmer. Mais moi, ce que je sais, par mon analogie, je peux dire, sur base des ministères de cet homme, de cette personne, on peut les classer. Le premier ministère, c'est qu'avant qu'il n'entre dans le feu, cet homme les avait précédés dans le feu. C'est ça le premier ministère de cet homme. Avant qu'il n'entre dans le feu, cet homme les avait précédés dans le feu. Et vous connaissez celui qui peut vous précéder dans le feu? Le deuxième ministère de cet homme, quand ils viennent dans le feu, en réalité, il a maîtrisé le pouvoir du feu. Donc cela veut dire il avait le pouvoir au-dessus du feu. En quelque sorte, lui-même s'appelle le feu dévorant. Donc, quand le feu de la fournaise l'a vu, le feu a tremblé. Le feu a dit, nous ne pouvons pas te désobéir parce que tu es le feu dévorant. Troisième ministère de cet homme. Cet homme les a baptisés dans le feu. C'est en quelque sorte la provision du baptême de feu. Parce que baptiser, c'est plonger quelqu'un et le faire sortir, mais qu'il soit vivant. Cela veut dire, il les a baptisés dans le feu. Or, Jean dit, moi je n'ai pas le pouvoir, mais il y a quelqu'un qui vient, je ne suis pas capable de les lier les lacets de ses chaussures. Cet homme, il viendra vous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Et il n'y a qu'une seule personne qui avait ce mandat de baptiser les gens dans le Saint-Esprit et dans le feu. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais été baptisé dans le Saint-Esprit, je t'informe, aujourd'hui tu seras baptisé
baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que Jésus est ici, le Saint-Esprit est ici, tu seras baptisé dans le feu, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Et le dernier ministère de cet homme, c'est un ministère de remplacement. La Bible dit, il a pris ma place. Alléluia. Je vais vous poser une question, frères et sœurs. Ces jeunes gens étaient sélectionnés au nombre de quatre. Mais ils arrivent dans le feu. On les a jetés au feu. Trois. Mais où était Daniel? Où était Daniel? Daniel alors que Daniel était gouverneur de la province où cet événement s'est passé. Daniel a été ya ngombana bisika mambone le kage. On ne sait pas. Est-ce qu'il avait voyagé? On ne sait ya pas. Kena ki mais la probabilité est très moindre. La probabilité est très moindre. Parce que c'est lui qui organisait l'événement. Yenda bani ko bongisa mangamo. Et la Bible ne nous a pas dit que Daniel avait péché. Bible lobite Daniel a quoi na lisu. Daniel n'a pas participé à cet événement. Bible le kage na keke wana te na le kwana. C'est qu'on pense. C'est que Dieu aurait fait quelque chose pour le remplacer dans le feu. Pour le remplacer dans le feu. Donc quand les autres regardent, ils disent, nous avons amené quatre jeunes gens en qui nous avons investi. Oh, mais il y a quatre là-bas. Personne ne va dire, oh, allez chercher aussi Daniel pour le mettre là-bas. J'aimerais te dire que lui qui a fait ce ministère de remplacement, il est vivant. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place dans le feu. Il est entré d'abord dans le feu pour toi. Pour qu'il t'attende dans le feu. Il est resté dans le feu. Même quand Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis, il est resté dans le feu t'attendre. Cela veut dire, quand tu vas traverser la nuit, il est toujours là pour t'attendre. Le roi de gloire est toujours dans le feu. Lui peut entrer partout maintenant, même en enfer, sans qu'il soit embêté. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je ne sais pas. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des liens? Tu sens qu'il y a des liens? C'est le moment pour toi de te dire que tu es dans le feu. Celui qui est le feu dévorant est ici présent. Il est là ce soir. Je déclare que toute maladie va tomber au nom de Jésus. Tout handicap va tomber au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier, à clamer, prier, déclarer que les chaînes tombent. Déclare que les chaînes tombent. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Tu n'as pas droit à garder encore des liens. Tu n'as pas encore droit de garder les liens. Les liens de la peur. La peur de la maladie. La peur de l'échec. La peur de toutes ces choses. C'est le moment, Dieu est là. Prie avec foi. Prie avec foi. Même si le feu est attissé cette fois, même si on a attissé le feu cette fois, tu vas entrer dans le feu, mais rien ne t'arrivera. Parce que Esaïe dit, tu traverseras des flammes, ils ne te feront rien. Même les eaux ne vont pas t'attaquer. Parce que Dieu est avec toi. Déclare des choses maintenant. Déclare des choses. Ces liens doivent tomber maintenant au nom de Jésus.
Que tes liens tombent. Ba mignolo le kweya, ba singe kweya. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Tu n'es pas venu ici en aventurier. Tu es venu pour que ta situation change. Prie maintenant dans ta vie spirituelle. Méditation de la parole de Dieu. Ta vie de prière. Il y a une épreuve. Il y a le feu devant toi. Supporte le feu. Supporte le feu. Implore le feu de Dieu. Maintenant. Tu peux garder ton calme maintenant. Bate la kimia. Garde ton calme maintenant. Bate la kimia, Sigoyo. Bate garde la ton kimia. Calme maintenant. Bate la kimia. Écoutez-moi. Yo kangai. Yo kangai. Maintenant, c'est le moment. Sigoyo zalingonga. C'est la confrontation de feu. Ngonga yako bunda na moto. Le feu qui avait été allumé. Moto o epela ki. Qui avait été allumé à ton travail. Le feu qui avait été allumé dans ta famille. Le feu qui avait été allumé dans ton quartier. Le feu qui avait été allumé même partout où tu passes. Maintenant, envoie le feu de Dieu. Fais-le avec foi maintenant. Implore le feu de Dieu maintenant. Implore le feu. Que ça consume. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que le feu arrive. Implore le feu maintenant. Le feu. Le feu de Dieu. Moto. Nous implorons le feu maintenant. Moto. Dans ta santé. Le feu dans ta santé. Le feu dans ta famille. Le feu dans la santé de tes parents. Le feu dans la santé de tes enfants. Le feu. Le feu. Que le feu descende maintenant. Que le feu descende maintenant. Que le feu descende maintenant. Le feu. Nous implorons le feu. 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 Implore le feu maintenant. Bye-bye.